site l'étang. Et je suis organiste à la cathédrale de Clermont depuis 2015. Ce grand orgue de la cathédrale de Clermont est vraisemblablement le cinquième orgue qu'a connu cette cathédrale, et il a été construit en 1877 par Joseph Merklin. Il a été restauré pour la dernière fois entre 2005 et 2010, et le but de cette dernière restauration était de retrouver précisément l'instrument de Joseph Merklin, l'instrument de 1877. Alors toute la partie instrumentale de cet orgue est classée aux monuments historiques, et j'aimerais donner un aperçu de toute la richesse sonore que comporte cet instrument. Alors, comme tous les orgues, il y a un certain nombre de tuyaux différents, ce qu'on appelle des registres. À Clermont, il y en a 42. Donc 42 formes de tuyaux différentes et 42 sons différents répartis sur 4 claviers. 3 claviers pour les mains et un clavier pour les pieds. Comme tous les orgues, il y a une série de tuyaux qu'on appelle les fonds. Alors, on les appelle les fonds parce que c'est des tuyaux qui donnent ce qu'on appelle la fondamentale d'une note d'une manière particulièrement claire. Ce sont des sons assez ronds et assez flûtés. Par Joseph Merklin, on a un certain nombre de flûtes qui ont un son très délicat, un peu loin du cliché qu'on peut avoir sur les morceaux d'orgue. Cet orgue aussi un certain nombre de sonorités qui sont très caractéristiques des orgues de la fin du 19e siècle. Par exemple, on dispose aussi de toute une gamme de sonorités qui sont très brillantes et qui là correspondent aux sons que l'on connaît le plus dans la musique et dans le répertoire pour orgue, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plein jeu ou les fournitures. Donc on rajoute sur les fonds un certain nombre d'harmoniques qui vont enrichir qui vont enrichir chaque note jouée. Et puis il y a aussi tous les registres, tous les sons qu'on met dans la catégorie des anches, qui sont obtenus par la vibration d'une lamelle métallique qui est censée imiter des instruments comme la trompette, le clairon, la clarinette ou le hautbois. Et bien sûr, tous ces sons-là peuvent cohabiter au sein d'un même morceau. Par exemple, on peut avoir un solo de trompette sur un accompagnement de fond.
l'édifice, nous nous servons aussi d'un orgue de chœur fabriqué également par Joseph Merklin en 1887 et qui comporte 17 jeux répartis sur deux claviers et le pédalier. Le buffet de cet orgue de chœur a été dessiné par Viollet-le-Duc lui-même.